peu de travail. Mais Domino, c'est pas pour toi. Attends, je vais te trouver quelque chose. Regarde, là. Là, regarde. Ça, là, tu peux, là. Regarde là, Domino. Regarde là. Là. Tu vois? Parce que lui, il adore les caisses et tout ça. Regarde là. Tu peux aller là. Voilà. Non? Bon. Si? Non? Ok. Voilà. C'est bon, ça? Oh, il part. Voilà. Oh, bah oui. Bon, ben. L'arrivée des poules, enfin! Voyons. T'en as pris combien alors? 6. 6, t'as pris la totalité. Il y avait quelques rouges, mais seulement. Mais ah, ben. Pas de problème. J'ai amené des. Ceux qui sont plus. Non. Salut, vous! Bienvenue! Oh là là, bien! J'ai tout juste terminé. Le moment de la vérité. De la vérité. Voilà. Le moment Voyons. Et le coq est là aussi, hein? Ça, c'est le coq, ça, hein? Le gallo, El gallo, sí. ¿Sabes que el gallo, los gallos no hablar el español? Sí, pero es no el idioma mismo que en Francia. Pero en Francia es cocorico. Cocorico. En Allemagne, c'est kikeriki. En Allemagne, c'est kikeriki. Et en Espagne, c'est. Oh, comme. En français, en anglais, c'est cocorodo. Que belle. Voilà, sont là-dedans les poules. Alors, on va ouvrir la porte. Non, cookie, non. Non, et on va refermer la porte. Non, cookie, tu ne rentres pas. Si. Oh, elles sont belles. Bonjour toi. Regarda. Ricarda, ok. Bienvenido. Est-ce que je peux y entrer, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Oh, regarde, tu as mis ça aussi. Si, et ça à l'intérieur. Non, Non, Cookie. Non, Cookie, pas pour toi. Hop là. Marie Carmen. Marie Carmen. Marie Carmen. Ça, regarde ça. Ricardo? Non, Ricarda. Ricarda. Et Marie Carmen. Alors, et voilà, toute la famille est là. Il y a deux qui sont plus blanches. Ouais. Et les autres qui Casi sont. Mejor, qué bonito, lleno de cemento y de todo. Ok, claro. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, ouais. Je crois qu'ils vont être bien heureuses. Ah, elles ont beaucoup de plumes blanches quand même. Elles sont oui, relativement oui, blanches et, quand même. Et ouais. Elles sont jolies aussi. Elles sont très jolies. Oui. Ouais. Oui. Ouais.
sont pas rouge-rouge, uniformément rouges, sont oui. très jolies. Ah, j'aime beaucoup. Oui. J'allais acheter la paille. La paille, mais il m'a dit que pas dedans ma voiture. Ok. D'accord. Alors, je sais pas. Pour le moment, parce qu'ils ne vont pas commencer à poser les œufs. Oui, on a du temps. Oui, c'est plus tard. Oui. Elles sont quel âge? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, elles sont grandes ils quand sont même. Grandes, je crois, elles oui. sont grandes, ouais. Alors. Alors, Ricarda, comment on peut. Regarde, ça, c'est très, oui. très, 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 très beau. J'ai tout juste terminé. Oh, oui. Voilà. L'échelle pour formidable. Aller sur là. Formidable. Ah, tu as fini ça aussi. Oui. Ça par contre, pardon, excuse-moi, il manque encore. Ça c'est juste posé parce que je veux faire la même chose ici. Je sais pas si elles arriveront de là, aller vers là, je sais pas. Parce que ici tu vas poser les paniers pour pondre les œufs. Oh, ok. Là. Les paniers, qu'est-ce qu'ils sont paniers? Des caisses. Hein. Ah, ok. Des caisses en plastique pour pondre les œufs. Ok. Et ici. Oui. J'en ai? 2 grandes. Oui. Et je crois que j'en ai aussi. Je peux t'en donner une. Ok. On va les mettre par là. Ouais. Tu mets par là. Et fixer là-dessus. Ok. Et couper devant. Ok. Pour qu'elles puissent rentrer. Mm-hmm. Et mettre la paille. Voilà. Et c'est ce que tu peux faire aussi pour qu'elles sachent où aller pour pondre. Il y en a beaucoup qui achètent un faux œuf, mais je trouve ça idiot parce que j'ai vu ça. Une balle de golf. Okay. Si tu peux avoir une balle de golf, oui. tu mets dans chaque panier une balle de golf, ça les incite à pondre les œufs à côté. Ah. Comme ça, elles savent où aller pour pondre les œufs. Ah, ok. Eh oui. Très bien. Et voilà, tout est fermé. Oui. C'est bien. Ok, parfait. Bon, j'ai fixé ça aussi. Je vais amener quelque chose pour les ça, il faut que je... Voilà, il faut que je trouve une solution. Mais bon, ça va aller. Voilà. Donc, tu as la poignée à l'intérieur. Hein? Pourquoi ça bloque là? Ah, on est enfermé. Ricardo. Ah, Ricardo nous a fermé la porte. Oui. Ah, là, on reste avec les poules, c'est fini. Pourquoi il a fait comme ça, Ricardo? Je me le prends pas. Ah, si, il a fermé. Si, il nous a fermé, Ricardo. Ricardo. Il est au téléphone. Alors voilà, tu as une poignée ici pour tirer la porte et tu as l'autre. L'autre, j'arrive pas à bien la fixer, je sais pas. Ricardo! Il est au téléphone. Ricardo! Mais non, on n'a rien. Tout est dehors. Je vais tout sortir. Oui. Il n'y a rien ici de oui. tout. Ricardo! Ricardo! Bon, il y a une. Tu vas appeler quand même Chrissa. Oh oui! Ah, oui, l'autre Ambre. Et une autre Ambre, voilà. Ricardo! Ton homme, franchement. Alors, les poules, comment allez-vous? Alors, il y a une Ricarda, il y a une Marie-Carmen, ensuite, il va y avoir aussi une Chrissa, une Ambre, et puis... Marie-Carmen, elle voulait 4 rouges, 3 rouges,
deux blanches, une noire, mais il n'y en a pas pour le moment. Alors elle a choisi ceux qui ont le plus clair. Elles sont belles, elles sont jolies. C'est assez grande déjà. Voilà, ça c'est leur poulailler. Ici, on va mettre des paniers pour quand elles commencent à pondre. Et puis, oui, caché derrière. Et puis, la petite marche, la barre pour qu'elles puissent dormir, bien abritées, à l'ombre, déjouées. Ben, pour le moment, effectivement, il n'y a pas encore l'herbe. C'est normal, c'était couvert pendant des années avec une bâche. Et balançoire, et puis ici le sable pour faire leur bac à sable, bien fixé contre l'arbre. Voilà, ici l'idée de, je sais plus qui, excusez-moi, je sais plus qui, avec une palette travers. Voilà, et ça c'est du plastique, ça va sortir aussi. Hop là, viens là, toi. Voilà, à l'intérieur de la cage, il y avait une planche qui n'était pas très costaud. Donc, j'ai pris un arbre, j'ai trouvé un morceau d'arbre, poussé, posé sous la planche pour soutenir la planche, parce que c'est vrai, elle penchait, elle était un peu comme ça, et fixé à la palette. Une autre palette là. Puis après, il faut voir si on le ferme vraiment, éventuellement en haut aussi. On ne sait pas s'il fait vraiment trop froid. Mais une fois de plus, nous sommes en Espagne. Et donc, le grand froid, comme il y a ailleurs, plus au nord, il n'y en a pas. Voilà! Challenge terminé, poulailler construit, enclos terminé, tout va bien. Avec poignée extérieure, une fermeture ici, une fermeture en haut. Marie-Carmen va mettre une pierre. Et il y a aussi un petit crochet ici à l'intérieur pour fermer. Donc, tout est fermé, tout va bien, c'est parfait. En plus, je trouve assez joli. Bon, ici, on a pris c'est des trucs en zinc, là. Oh, dites-moi comment ça fait. Toile ondulée, voilà. Faut juste serrer un peu plus ici avec les trous, faire le tout. Parce que là, on n'avait pas, j'avais plus de grillage, je l'avais plus du tout. Donc, elle avait acheté 7 rouleaux pour 6,60 m de longueur. Et voilà. Mais je suis assez contente de moi. Moi, je le trouve assez réussi. Réussi. Ouais. Le grillage jusqu'en bas. Ensuite, il y a le jeune qui est venu, qui a posé du ciment tout le long intérieur et extérieur des parpaings. Ensuite, j'ai fixé des morceaux de bois pour plaquer le grillage contre le bois. Et après, on a mis la bâche, remonté la bâche et du gravier. Voilà. Allez, on va faire un tour à l'intérieur. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui et puis pour tout parce que le poulailler est terminé, l'enclos est terminé. Moi, je suis contente, purée, ça a pris beaucoup plus longtemps que prévu. J'avais calculé 2 semaines, mais finalement, ça a pris 3 semaines. Bah, il manquait toujours un truc, il manquait ça, il manquait ça. Et puis, vous vous souvenez, j'ai commencé avec une toute autre construction, j'ai tout enlevé, j'ai tout refait. Et donc ça a pris beaucoup plus longtemps parce que bah, vous savez, moi j'ai fait jamais de plan, donc je commence. Mais finalement, je suis très contente. Voilà, Chris et son poulailler. Amusez-vous bien.
Ciao, ciao.